Ok, bonsoir tout le monde et bienvenue ce soir pour un petit stream sur Warhammer 40 000 Battle Sector. On se retrouve pour la suite de la campagne avec les Blood Angels. On va refaire la mission qu'on avait ratée lamentablement la dernière fois avec le frère Quintex et le copain, comment il s'appelle Kroginax. Donc là, on va devoir essayer de s'en sortir. Donc, pour le moment, on voit qu'on peut avoir des trucs intéressants, mais. Après réflexion, je me suis dit qu'on va peut-être buffer plus notre sergent Carléon parce que c'est avec lui qu'on va essayer de faire la différence. Alors je me suis dit, pour démarrer tout ça, il fallait que je prenne des techniques. J'ai remarqué que j'avais pas de truc spécial d'assaut pour toute l'armée lors d'une bataille. Alors je vais commencer par la première chose, le mitraillage au canon d'assaut. Ce qui va donner un tir de 36 fois sur 4 cases en ligne qui affiche 6 à 8 de dommages par tir avec une pression de 45 et une valeur PA, donc pénétration d'armure de 2. Je pense que ça peut être utile. Ensuite, normalement j'ai encore des épées tronçonneuses, mais je vais prendre technique de barbare, ce qui va augmenter de 10 l'épée tronçonneuse. Donc sa précision. Donc comme ça, il sera plus précis en faisant du dégât. Quoi, je l'ai déjà, on dirait. Je l'ai déjà, je me souvenais plus. Sinon, après, je pourrais. Il me reste 4 points, admettons. Donc, admettons 4 points. Donc, j'ai déjà ça en plus. J'ai le truc de la précision sur moi. Alors, je vais lire les tactiques d'assaut pour les escouades d'assaut. Ça donnerait 15 de précision de mêlée, 50 de dommages mêlés, puis 75 de base subie à distance. Ça me semble intéressant. Après, là, ce que je pourrais prendre, c'est ça, quoi. Les stabilisateurs plastiques qui augmentent la précision de la portée, que tu sois, je pense que ce soit à longue portée ou à courte portée. Mais ça me prendrait 3 points. Je pense que je vais partir sur le Hellblaster au niveau précision, j'en avoir besoin. Parfait. Et il me restera encore un point, bah, je vais partir sur ça. Les bénédictions de l'Omnessie pour le Technomage Kroginax. Kroginax, ouais. Ce qui va augmenter l'armure à distance et 1 d'armure pour les dégâts de mêlée. Ce qui est pas dégueulasse, donc genre sur un véhicule, ça peut être utile. Hein. Voilà. On confirme les trois compétences. On termine et on va refaire la mission du relais astronomique. Matana Vox is in and talks to Quindar and I of synaptic peace and the theorizing of the librarius. A synapse network with enough of a link to the hive mind could, in theory, act as a beacon and guide the fleets of Leviathan, bring them through the warp back to Baal. In theory. A lot of work is done between those two words. I don't doubt Matano finds the bureaucracy of his new role a challenge. It is a rare puzzle he cannot solve with a swing of his sword arm. I do not question the Emperor's will, but I must admit the survival weighs heavy within me. To have witnessed thousands of brothers sacrifice themselves, entire chapters struck from the annals of history. Only for this threat of Leviathan to persist. It would be a lie to say the thought does not trouble me. Until the librarians better understand the threat, our objective is to find and exterminate all synaptic leadership embedded in the Heavenwall. To that end, I am escorting Brother Librarian Quindard to the astropathic relay. His haste talk of warp aberrations and exigent anomalies is of little comfort, but his resolve is clear, and I will welcome his presence when the time comes for battle. The Tech Marine as well, despite his unique manner. Ok, donc là cette fois on va refaire la mission du relais, alors le relais astropathique. Ce relais astropathique a été tenu par le chapitre successeur de Carmine Blaine, donc des lames rouges. Des lames sanglantes pendant la dévastation de Baal. Si le cœur à l'intérieur était tombé, la croisée de Dominus n'aurait pas trouvé son chemin vers Baal pour soulager les fils de Sanguinus.
Le Tech Marine Kranax était attaché comme exhorte au frère Kindar pour sauver la susceptibilité du Psyker face aux failles. Si l'archiviste montre le moindre signe de chute dans la rage noire, il sera de la responsabilité du Tech Marine de le désarmer, de le mettre hors d'état de nuire le Dragon. Ne pas le faire entraîner un maelstrom de destruction imparable. Ok, ça le mérite d'être clair. J'ai juste revérifié dans mon armée que j'ai tout. Mais là, je pense qu'on est quand même mieux équipé qu'avant. J'espère que ça va le faire. Donc on a les épées tronçonneuses. Je pense que ça va avoir son utilité. Donc j'ai juste revérifié que j'ai bien des trucs de tronçon. Alors c'est dans gestion de l'armée. Eh ben non, ben j'en avais plus. C'est pour ça. Donc on va recruter deux. Donc on a deux unités d'assaut que je viens de récupérer. C'est pour ça que je me disais, bah merde, je suis un peu court. Je vais prendre un Headblasters et un agresseur en réserve, comme ça on en aura 3. Donc là en tout on a 1235 points. Donc on va terminer et on va y aller. Donc je vais pas vous faire relire ça. Et apparemment si on gagne cette mission on aura accès au Dragnut Furioso, ce qui sera pas une mauvaise chose. Hein. A dozen emerge from every other corner. Oh, that's enough poetics from you. Quindar needs direct access to that lensing array. We recalibrate it to focus his divinations, and then you'll find every disruption in the warp from here to the Angelicum. Ok, donc là on a 1235 points, donc on en a trop cette fois. En vrai, les escouades tactiques, ça, on va les toutes les embarquer. En vrai, l'escouade d'agresseurs en trop. Comme ça, on a 3 Headblasters, ce qui est pas dégueulasse. Et normalement, on a les deux compagnies de l'escouade d'assaut. Ouais, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Donc déjà, avec les véhicules, je vais les mettre sur le côté. Kindar au centre. Le techno, lui... Et je vais garder les escouades d'assaut, une escouade ici. Je vais quand même décaler des trucs, on sait jamais. Je pense que je vais passer d'un côté avec tous les persos et en support d'une unité de Space Marine, ça me semble pas mal. Et pourquoi pas une unité de Hellblaster, ça me semblerait pas une mauvaise chose que ça après tout. Ah bah tiens, il y a déjà des vilains là. Allez, c'est parti. Quoique le frère Aïtourou, je l'avais fait passer par la gauche la dernière fois, ça avait plutôt bien fonctionné. Alors là, on a quoi? Des Ormagons et des Termagons. Ouh, il y a du people. Ok, ça commence plutôt bien. Donc là, cette fois, j'ai plus les grenades sur eux. Ah, dommage. Voilà, hop, ça commence comme ça. On va voir ce que ça donne, la précision. C'est quand même mieux que ça commence mieux que la dernière fois pour l'instant, je dis bien. Donc là, je vais faire quoi d'autre? Parfait, là c'est réglé. Ils peuvent encore bouger eux. Eux je vais les mettre ici. Et là on va tenter de s'en débarrasser de ceux-là. Ah dommage. Dommage, un tire-plan pouvait s'en débarrasser complètement. Et là, j'ai envoyé mes deux véhicules s'occuper de ces Termagants. Ça en a zigouillé 4 sur la moitié, donc logiquement, le deuxième devrait faire le taf aussi. Parfait. Beau travail de nos véhicules.
Donc là, il y a déjà trois escouades rayées de la carte. Oh, il y en a encore une autre là, attention. On va essayer de les abattre. Bon, ça a quand même fait, ça a quand même bien amoché, c'est plutôt cool. Ici. On peut pas aller par là, mais j'ai peut-être une idée. Zone, oh, zone radioactive mortelle, attention. Bon, déjà on va se mettre là s'il tente d'avancer. Ici, je vais faire quoi? On va commencer à amocher nos adversaires. Ce sont des Ormagons. Ça, c'est pas mal joué. Derrière, hop. On continue de lâcher, de faire du dégât 80%. C'est pas mal, ça fait, ça leur apprendra la politesse. Et là, on va les hacher avec eux. Oh, 2 PV, sérieusement. Parfait, là c'est réglé. Alors vous, je vais vous mettre là. Parce qu'on a besoin de renfort. Je vais vous mettre en surveillance ici. Comme ça, s'il y en a un qui veut faire de mariole, bah, je suis bien du plaisir. Et là derrière, je vais me ramener avec le frère pour supporter le gros de notre armée. Voilà. Et alors avec le centurion, enfin le frère Kandar. Il va tenter, mais bon. Ça donnera rien. Voilà, comme ça je m'en promets, frère Kandar, c'est lui qui va encaisser les dégâts, comme j'ai le technomage derrière. Voilà, alors je pense que le premier tour c'est plutôt pas mal. On a éliminé 3 régiments complets. Bon, c'est bien. Il prend 21 dommages, c'est correct. C'est très correct. Ok, là il y a de l'activité. Attention. C'est gargouille, évidemment. Alors là, on peut pas les abattre. On en a une. Là, on va tenter de les amocher un peu plus. Putain, c'est un peu relou, ça, que ça vise mal. Alors... mon frère machin. Voilà. On va tenter de les fumer. Parfait. On va avancer avec eux juste là, jusque là. Les véhicules. Bien joué, il en reste plus qu'un entre guillemets. On va essayer de l'abattre à distance avec nos équipes, nos escouades d'assaut.
Parfait. Ça c'est bien joué. On va se mettre là. Les marines d'assaut. Enfin les agresseurs, vous allez venir ici. On sait jamais s'il y a une menace qui spawn. Et normalement, vous pouvez les viser d'où vous êtes. Allez, mais lance-plasma. Montrez-vous. Montrez c'est qui les chefs. Bon, on en a eu deux de plus. Pourquoi pas. Alors, ma question est de savoir plus de dommages. Allez. Ah, merde. Ça, c'est con. Vous. Allez. Montrez c'est qui les patrons. Dommage. Et là. Parfait. Le frère va ouvrir la voie derrière. On va se mettre là. Ensuite on va se mettre en vigilance ici en cas d'attaque dans nos flancs. Et là on a ces trois gugus qui embêtent tout le monde. Allez. Waouh. Il fait pas dans la dentelle, hein, Kindar. Allez, continue. Parfait. Comme ça, derrière. Je vais me mettre là avec notre sergent. Ensuite, tu vas aller me découper ça. Parfait, au travail. Comme ça, il va prendre pas mal d'impulsions grâce à ce mouvement. Tu vas te remettre là quand même. J'ai pas envie que tu te prennes une attaque de je ne sais quoi. On va augmenter l'armure du frère en attendant. Parfait. Un point d'armure, c'est pas négligeable hein, dans le jeu. Pour le vécu que j'en ai. Donc là, pour le moment, on va mettre en vigilance. Voilà, c'est pas mal. Et au cas où, voilà, là c'est fait. Est-ce qu'il y a encore des unités qui peuvent bouger? Bon, tant qu'à faire une petite vigilance. Une petite vigilance aussi. Alors, normalement, lui. C'est points de commandement. D'accord, on gagne des points là. Ok. Oh, empoisonné. Bah tiens. Des guerriers en surveillance, ça pue. Oh, mais il y a du people ici, donc c'est du corps à corps. Deux unités de corps à corps, ok. Tu tires sur quoi là? Picote, hein, mais bon, on s'accroche. Alors, admettons, je me mets là. Bon, ça va, il a encaissé le choc. Un petit tir de bolter pour le calmer tout ce petit monde. T'en veux un deuxième? Pas mal du tout. Alors. La question c'est les escouades d'assaut. Est-ce qu'on les envoie au casse-pipe? Mais bon, le problème c'est qu'il y a les thermagans derrière. Mon
On va pas les envoyer au casse-pipe. On va se mettre en surveillance au cas où. Le technomage là. Ah, je peux rien faire de plus pour l'instant. Ok. Parce que là, je doute de pouvoir me les faire avec eux, tout simplement. Pour le peu de vision que j'ai, je vais quand même me mettre ici en position. Et vous, pareil. Comme ça, là, si on peut faire un double tir, ce sera pas mal. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a... Ouh, il y a du... Ouais, c'est vrai qu'il y a... Ouais, là-bas. On va se mettre là. On va tirer sur les thermagans. Parfait, ça en fait 4 de moins déjà. Ok, ça c'est free. Alors, est-ce qu'ils vont me tirer dessus? Non, ça va. On va tenter de tous les découper. Allez. Non, ça va, ça aurait pu être pire. Là, on peine dans une zone radioactive, faisons attention. Ok, c'est liquide, ça c'est bien. On essaie de déterminer cette erreur. Bon, il n'y en a plus que deux, ça va, c'est correct. Je vais me mettre en position ici. Eux, ils vont avancer de deux crans aussi. Là, on va essayer de zigouiller un peu les Ormagons. Ils sont que deux, les Thermagans, donc ça va encore. Ah, il est reporté. Mais, est-ce qu'on va essayer de les amocher à la grenade? On les a bien amochés, là, c'est bien. Il y a juste l'un de nos véhicules qui est un peu endommagé, mais je pense que ça va le faire, globalement. Admettons, je me décale juste d'un cran. Non, je pourrais rien faire. Mais je vais mettre une surveillance quand même, on sait jamais. Les tactiques, vous allez venir en renfort. Ici. Vous, les autres tactiques, vous allez venir derrière. Bon, s'il y en a qui veut venir, bah, qui s'amuse. On va avancer. Voilà, pas mal du tout. Vous trois là-bas, venez là. Bon, là, les unités sont quand même bien amochées dans les deux cas. Bon, ça va, il encaisse bien, Kindar, c'est cool. Bien joué. On a pris un peu de dommages, mais bon. On va quand même les soigner dans le doute. Ils se replient. Une nouvelle cible. Donc là, je crois que c'est ce que je crains. C'est des gargouilles là qui vont venir. Et ils ont pas l'air. Ils ont l'air nombreux. Hein. Bon, ça, notre quintax national, on s'occupe de tout. Donc là, on va pas trop traîner. J'espère qu'il y a du monde. Ok.
to the sky, brothers. Alors, admettons, je foutre un coup de tronçon, là, ça passe. Ça pourrait passer, ouais. Les tireurs. Ok, on en a zigouillé 3, c'est plutôt cool. Alors, lui. Ah oui. Si tu veux tes coups, comment je fais, moi? Allez, mon vieux. Bien joué, ça en fait 2 de moins sur les 3. Le techno, tu vas venir le soigner parce qu'il va en avoir besoin. Parfait. Et si tu peux m'en zigouiller un sur la... ça serait cool. Non. Dommage. Donner un coup de tronçon, ça va te calmer, ça va les calmer. Parfait. Comme ça, le sergent, il va prendre de l'impulsion. Ça, c'est cool. De la visite, hein, ça c'est sûr. Maintenant, il faut qu'on avance là avec le gros du contingent. Parfait. Ça, c'est fait. On continue d'avancer tout le monde à vitesse grand V. Alors d'abord, vous. C'est vrai que je pense à les améliorer dès que possible, hein, parce qu'ils vont être importants dans notre dispositif sur le long terme. Parce que 50 points de vie, c'est un peu light, hein, je trouve, comme en termes de survivabilité, on va dire. Bon, là, normalement, ça va le faire. Détecte des choses avec des volants, tout ce qui est. Bon, c'est bien, il y avait des gargouilles, mais bon, là on les a calmés un peu. Aïe, 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 aïe. Ils sont nombreux à arriver derrière. Oh. Bon, on s'en sort bien. Donc ça va, on s'en sort pas mal. Encore, mais faut arrêter avec les gargouilles en masse là. Oh, c'est abusé. 4 gargouilles là, faut... c'est bon quoi. Victory for the Black Knights. Victory for Scott. Bon. Là, on a un autre problème à régler. Qui est volant et qui est chiant. Parfait. Tu peux en foutre une salve ou pas, ouais. Essaye, s'il te plaît. Mal du tout. Un petit coup de tronçon dans le tas, ça serait cool. Pas mal du tout. Ça les a bien affaiblis comme ça. Alors toi. My fury will be fast.
for the glory of Sanguinius. Tu peux leur foutre un coup. You will fall before me. For they are brought. Dommage, lancer raté. On va re-reculer. Mais on va plutôt se mettre en vigilance avec tout ce qui arrive. Le prêtre. Voilà. Dans le doute, on va essayer de courir une large jaune comme ça. Le véhicule est bien là, le deuxième. Je vais faire essayer de traverser toute mon armée le plus vite possible. C'est pas mal du tout comme ça. Toi, tu vas me couvrir un large périmètre comme ça. Et vous, si vous pouvez courir, ce serait là. Toi, pareil. Vous, vous courez là. Les intercesseurs ici. Toi, tu viens là. Je pourrais pas faire mieux, de toute façon, pour l'instant. Je vais m'en mettre là parce que j'ai un peu peur pour mes tactiques ici, enfin mes intercesseurs. On va se reprendre un peu de poison, ça va. Ok, bon ça va. Dommage qu'il se barre. Ça va, 2 PV, c'est correct. Pour vous qui peuvent pas attaquer derrière, ce sera abusé quand même. Ah ouf. Il faut le replier. Hein. Il en a eu une autre, c'est cool. Il y en a une autre qui est tombée, c'est bien. J'avoue que c'est un peu chiant qu'on peut pas les viser, mais bon. Ils ont pris aucun dégât. Oh mais faut bien viser à un moment. Bon. Parce que là, actuellement, on est un petit peu dans l'embarras, mais... Là, il peut me zigouiller. Merci. Alors, eux, ils peuvent venir me faire chier. On va se reculer. Et je peux pas leur tirer dessus. Tout va bien. Ok. Là, ça va être compliqué aussi. Ose me dire qu'ils peuvent pas tirer. Bah non. Ennemi derrière une couverture complète. Bah bien sûr.
Voilà, on va se mettre là comme ça. De toute façon, on va pas avoir le choix si on veut se débarrasser de toutes ces gargouilles. Là, on a liquidé quasiment deux régiments. Quoique, attends. On va voir les gargouilles, logiquement. Dommage, bon. Ça en fait encore une de moins, mais bon. On va se préparer au déploiement quand même. Hein. Ah, enfin, quelqu'un, une unité qui peut essayer de se rendre utile. Ok, bon, c'est pas mal. Là, les deux régiments sont amochés. Là, c'est amoché aussi. Alors là, je vais tenter un truc. Ah. Bien joué. Il ne reste plus qu'une ici, donc. Là, ça devrait aller. Ici, on va avancer aussi. On va abattre ces modèles-là. On va essayer. Bon, il y en a encore une qui est tombée. C'est toujours ça que ça y est. C'est lequel de mes véhicules qui a mangé? Et lui, ok. Donc on se prépare pour la fin de la mission. Pour ceux qui se rappellent de la dernière fois. The blood of Sanguinius flows in my veins. Forward! Affirmative. Je vérifie qu'on n'oublie personne en arrière. On va explorer un peu avec ce Land Speeder, tiens. Je pense qu'on va avoir besoin du très très lourd en ici, parce qu'on se souvient que la dernière fois, il y avait une grosse unité pénible. Bon, là, globalement, je trouve qu'on a mieux géré. En partie grâce aux unités des squads d'assaut, là, ça nous a bien aidé. Allez, tout le monde se met en surveillance. Donc, il en reste encore... Ah, je l'ai oublié, merde. Ils vont venir me tailler, c'est ça? Bon, ça, je suis réduit de moitié, mais ça devrait aller. Ah, il y a des thermagans. Deux thermagans, ouch. Ils viennent de ce canyon. Ok, bon, ça va. Encore une de moins. Ok, ça, on s'en sort bien. Merci. Ouais. Et là, je vais revenir rejoindre le prêtre, si c'est possible. Allez, ça passe. Nyon. Tu soignes. We are the walls. We are the guns. Battle line squad ready. Bon. Pour le moment, ça va, on s'en est sorti. Je vais juste mettre un coup de bolter ici. Parfait. Le frère aura son impulsion. Notre sergent là, il a pris un point. Donc ça, c'est pas mal. Ça, on le garde pour le moment venu. My power is yours to command. Et là, on va se préparer à recevoir, alors.
peux tirer de là. Admettons. Ok, c'est pas mal, on a fait du gros dégât ici. On va se mettre en vigilance comme ça. Et là, hop, pilonnage. Parfait. Comme ça, lui, on le fait rentrer dans l'escalier, ni en haut, ni vu ni connu. Toi, je vais pas exposer mes blasters contre des tireurs, mais bon. S'il tente un mouvement, bah pourquoi pas. D'autres Hellblasters seront nécessaires de ce côté-là. Bon, admettons qu'ils viennent de là, ça m'arrange. Toi, tu vas me tirer de là si ça arrive de là. Et vous, vous allez me tirer de là si ça arrive de là. Et vous, s'il y a du beau monde, vous vous reculez là. On se met en position. Les épées tronceaux, vous venez là, vous. Le techno, tu viens ici. Voilà, ça me semble pas mal comme ça. Ah bah. Justement, j'ai bien fait des... Je les ai oubliés ces deux-là. Parfait, bien joué ici. La bonne vigilance qui fait plaisir. Donc, logiquement, il n'y a plus personne. On va essayer de cumuler des points aussi. Hein, pour. On va pas se précipiter trop vite non plus. Hein. On se souvient ce qui est arrivé la dernière fois. Quand c'est trop précipité, faut bien se mettre en place. Je me souviens plus s'il y avait quelque chose qui était venu de là, mais bon. Donc ça c'est fait. Le prêtre, on va le laisser au centre. Ok, ça c'est good. Ouais, tu vas garder un œil, c'est bien. Là, on va se mettre là avec notre véhicule, comme ça, s'il y en a qui tentent d'approcher, ils vont se prendre la petite sauce. Ok, il y a du people là qui a l'air de se pointer, je sais pas ce que c'est. Ah bah tiens, des volants. Ok. Oh bah tiens, des guerriers en plus, sinon c'est pas drôle.
Oh, ok, il y a du people encore. Alors toi... C'est tout. Alors je veux qu'ils soient à couvert, mais 25% là on va éviter. Alors on tente le 46 ici. Là c'est bien. On va éviter les conneries. The blood of Sanguinius flows in my veins. D'accord. Mes plasmas. On va se mettre dans un périmètre aussi large pour surveiller. We are the blood blades of Skyfall. Donc, on va se mettre là avec eux. Tout lâcher là. Ah, on se prend du poison. Ok, et deux de moins. Oh, lui, il a mangé, c'est bien. Ah bah c'est bien qu'il se rapproche. Bon c'est bien. Là ils se sont rapprochés. J'essaie de fermer un peu le temps d'avoir les deux points nécessaires pour la suite. Je pense qu'on va les obtenir. Oh putain, il y a encore des trucs qui ont l'air d'approcher. Des gargouilles bien sûr. Il n'y en a pas un qui va toucher. Ah si, il y en a quand même une d'abattue, c'est bien. Ok, ça vient du nord, ça va être encore des volants, ça. Ah, surveillance. Parfait. Alors, toi. The blood is strong. Do not falter. The blood waits. Hop. Battle line squad ready. Maintenant, vous me le saucez. C'est bien, il y en a un qui est tombé.
essayer d'en tomber un deuxième avec notre sergent. Il recule. My vengeance will be fine. Oh, pas mal. Pas mal du tout, tous ces guerriers qui ont bossé là. Ça fait chaud au cœur. Techno prêt, tu viens là. Putain, il y a encore tout ça de gargouille, sérieux. Ok, ça c'est fait. Eux, ils peuvent plus agir pour l'instant. On va se mettre là. Et vous, vous allez vous mettre là. Comme ça, s'il y en a un qui tente un truc, il va pas le sentir. Il va le sentir un peu passer. Ok. Bon. On est bientôt à 2 points, c'est bien. C'est une blague qui subisse rien. Eh, hey, vous le voyez, faut arrêter les mecs, hein. Ah, là, ça touche. Ça va. Bon, déjà je vais me positionner là. Ça c'est fait. Toi tu vas venir là. Tu vois plus rien. Oh les gars, abusez pas non plus quoi. Ils sont en face de vous, sérieux. Bon les frères. Pas mal. Bon là, il faut qu'on monte, qu'on se mette en position. Là, ça va être compliqué après, sinon. Bien. Voilà, voilà. Standing by. Moving. Comme ça, les véhicules seront pas très loin l'un de l'autre. On décale un peu. Je vais me mettre au centre là, on sait jamais avec Luke, le chef. Voilà, c'est pas mal du tout. Non, 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 attends. Toi, tu viens là.
Toi, tu recules. I'll keep an eye out. Ok, c'est là que les emmerdes vont commencer. On va sauvegarder déjà. Je pense qu'on pourra pas faire mieux niveau préparation. My vigilance is eternal. Maintenant, on va devoir défendre le frère. Et là, là on va pas rigoler. Hold this area against the Tyranids, brothers. Leave none of the Xenos filth alive. The librarian must complete his work. My duty is service. Allez, on va mettre des Overwatch là où il faut. Toi, tu peux avancer là ou pas? Pas mal. Je pense qu'un petit support ici pour commencer ça. Non? Putain, pourquoi il s'est mis là ce con? Je vais recharger, désolé, mais là c'est un misclic. J'ai pas envie de me retrouver avec un non-speeder au milieu de la pampa. Surtout au plein milieu de Tyrannie, ça va vite faire du dégât. Bon. Heavy fire support. They shall not pass. On va décaler juste un peu nos lance-plasma. On va se mettre là en défense, toi. Voilà, c'est la bonne. Toi, tu vas me mettre en vigilance ici. Toi, tu vas te mettre en vigilance comme ça. Vous allez avancer là. Le prêtre ici. Là, le but, ça va être de réduire le plus possible nos adversaires, parce que, à mon avis, il va y avoir du monde. C'est parti. Donc, on doit tenir 4 tours. I will catalog all warp aberrations indicative of synaptic Xenos activity. Hold this area against the Tyranids, brothers. Leave none of the Xenos filth alive. Ah, ce que je disais, une grosse bébête pour commencer. Il arrive et il a l'air mastoc. Ok. Bon, ça a quelques PV, c'est cool. Oh, par contre, ça va pour faire quelques PV là. Non, mais lui, faut faire quelque chose. Hein. Putain, il rentre, il tire déjà quoi. Allez, deuxième salle. Là, ça pue pour eux.
Balfour I was born. And should the Emperor will it, Balfour I will die. Allez, on va tenter de le démolir. Non, ça lui fera rien. Ok. Toi, tu vas reculer. Si tu me mets là. Allez, on va commencer à le dégommer. On va se retirer. On va essayer, hein. Parfait, il a pris du dégât, au moins ça c'est déjà de ça commencer. Je vais reculer mes plasmas dans le doute. Là, mon véhicule, il va garder la zone. On a d'autres plasmas là qui pourraient venir faire du dégât. Je tente une surcharge sur le Tyrannofex. Ok, il est pas mal là, moché là, c'est cool. Ça lui fait quasiment. Ça fait un tiers de sa vie en moins ce tour-ci, c'est pas mal. Ensuite. Allez, on tente une deuxième ça, il faut essayer de le fumer. Dommage. Le doc. The blood of Sanguinius flows in my veins. Alors, est-ce que je suis assez fou pour aller défier un Tyrannofex avec mon chef? Oui. Certains diront, c'est de la folie, certes. Je suis prêt à prendre le risque. Wow. Ok, là ça pue. Mais bon. Pourquoi pas après tout. Reviens là. Of course. The blood is strong. Do not falter. Alors là, on va tenter un truc. Pourquoi je peux pas l'embarquer, lui? Parce que je suis au corps à corps, peut-être ça doit être ça. To the sky, brothers. On va tenter d'aider notre chef là parce qu'il est un petit peu dans l'embarras sinon. Crush them. By the blood. Ah, il en a eu un. Mais bon, je pense que là, si je lui remets une salve. To the sky, brothers. Bon, on va prier que non, qu'il s'attaque pas à nous, mais bon, ça me paraît mal barré.
Bon, lui, faut qu'il paye qui boue et qu'il fasse un faux pas. Il va s'attaquer au véhicule, ouais, faut s'y attendre. Ok, là c'est une surveillance. Aïe aïe aïe. Oh putain, on perd une escouade. Oh. Il va attaquer là. Ah non, il attaque là. Pourquoi pas. Non, ça va, il faut juste qu'il y en ait qui tiennent tous. Ah, il y en a qui est mort, putain. Ils sont tellement fragiles, c'est fou. Bon, toi, tu vas me les soigner. Allez. Pas mal joué. Pas mal. Remets-moi une salve ici. Ok, toi. Tu peux le finir ou pas? Pas sûr. Alors avant de faire une connerie. Allez, tentez-moi une grenade ici. Parfait. Une unité squad en moins, bien joué. Et là. On tente de le fumer au pire. Hein. Wow, bien joué. Très bien joué. D'accord, là c'est bien. Ah, je me suis trompé, bon tant pis. Ok, c'est pas mal du tout. Toi. Whatever the angel requires. Bien joué, là c'est cool. Bon, ni vu ni connu, bien sûr. Vous avez tiré ou poche? Ouais, vous avez tiré. On va tenter de les amocher aussi. Parfait, il n'y en a plus qu'un là, ça c'est bien. Eux, je les ramène là.
Je vais commencer à moucher les guerriers un peu d'ici. Bien joué, bon. C'est toujours ça de prix niveau dégâts, on crache pas dessus. Par contre là, eux ils sont très fragiles donc on va les reculer. Non, je vais pas sacrifier mes trucs pour ça, ça c'est hors de question. Eux ils vont encaisser, eux ils vont encaisser. Bon, il faudra que ce soit le véhicule comme ça au moins. Bon, il bouge, ok. Hop, il y en a un de moins. Alors, c'est qui va trinquer? Bon, ça va, ils ont encaissé. Ils bougent. Nouvelle unité de Thermagon. Il y en a beaucoup des Thermagon. Il se focus sur eux. Et là, je vais vite les soigner avec le chef. Oh, plutôt pas mal ici. Double surveillance, ouais, ça va. Alors, tout vous, toi tu vas me soigner. Eux. Toi tu vas me tirer là-dessus. Alors. 38%. 44. Allez, 72 ici, ça se prend. Pas mal joué ici. Allez, toi tu me tires un peu dans le tas. On va reculer d'un cran. On va mettre le toucher de l'omnésie pour soigner notre véhicule. Parfait, il est revenu comme neuf. Allez, on focalise sur les guerriers. Pas mal. Allez, maintenant on lâche les chevaux ici. C'est plutôt cool. Toi, tu peux pas faire grand chose de plus pour l'instant. Bah, vigilance s'il tente de bouger. Notre chef. J'aurais mieux te barrer de là parce que, vu ce qui arrive, on n'est pas bien loti là. Allez, vous êtes en contrebas. Pas mal du tout là, ils sont bien affaiblis. We are the blood blades of Skyfall. Allez, vous pouvez vous les faire, normalement c'est des guerriers.
Bon bah il y en a encore. C'est pas mal du tout ça. Battez-moi ce guerrier. Hop, parfait. Un guerrier en moins, c'est toujours ça de prix. Ah oui, encore eux là, je les avais oubliés. Allez. Salut Momon, comment vas-tu? Ah bah là, ils s'en sortent un petit peu mieux, mon cher Momon, parce que j'ai fait des ajustements. J'ai perdu qu'une seule unité. Pour moi, c'est une unité de Space Marine d'assaut. Cette fois, j'en ai pris deux. Il me reste encore une qui est ici. On est en train de les ravager. On est au dernier tour de tenir. Et après, il faudra cartonner sur les tyrannies vivants. Bon, on leur fait pas mal de dégâts par-ci, par-là. Je te montre tous les cadavres qu'il y a depuis le début. Alors, je savais pas si j'allais continuer. Mais je vais peut-être être sympa. Je vais peut-être faire la pro. Je vais peut-être continuer. Je sais pas encore. Je vais réfléchir. Parce que, comme c'est assez calme ce soir. Donc voilà. Donc là on est bon, là on est bon. Donc là on est au tour 4. Maintenant il faut voir ce qui nous attend. Alors est-ce qu'avec notre chef. Donc dès qu'on va attendre la fin, j'ai pas une capacité spéciale pour soutenir notre armée. Donc c'est le tir de le mitraillage au canon d'assaut. Donc c'est un volant. On va essayer d'utiliser le moment venu, on va voir s'il reste beaucoup d'unités, donc on va déjà faire ça. Donc j'ai plutôt limité la casse, je suis plutôt satisfait. Aïe. Ah, il nous a mis cher, celui. Ah, petit bug de texture, bon. Ça va. On leur met mal, on les met à mal les tyrannies. Ce qui est chiant là, c'est plus les thermagons quoi, les harpies quoi. Attention. Les unités ont commencé à être blessées. Ils se mettent en surveillance ici. Attention, allez mon frère. Dommage, il n'y a pas un tir qui a touché nous. C'est ainsi. Ça va, un PV c'est correct. Là on s'est plutôt bien retranché, on va dire. Là j'ai quand même le soigner lui parce qu'il y en a qui avait pris cher tout à l'heure. Le tir le gros on s'en est occupé. Un coup de tronce d'épée tronceau par-ci par-là, ça les a refroidis plus d'un. Bien joué. Aïe, attention aux tactiques ici. Alors toi. Victory for Skyfall. The blood is strong. Do not falter. Eux, je peux pas les avoir. Ok. Par là, ça donne quoi? Allez, 55%, ils sont plus que deux là. Bien joué. Il y a encore lui qui m'emmerde à l'heure actuelle. Je crois que je vais ramener mon véhicule en support ici. Je perdrai peut-être la vision, mais c'est temporaire. Parfait. Là, les derniers là, on les nettoie. Bien joué ici. Donc là, il va falloir nettoyer tout ça pour ce qui reste. Toi à balayer. Bon, ok. Ok, c'est bien. Ah, je sais pourquoi je peux pas l'utiliser parce qu'en fait je peux pas. En fait, il faut que j'ai ma jauge pleine à chaque fois. Je comprends mieux. Bon, on le saura la prochaine fois. Bien joué ici. Il faut éliminer les dernières forces tyrannides. Quoi, il n'y en a plus que 3 déjà? Bon, on va essayer de réduire ce nombre le plus rapidement possible. 2. Par contre, les devs adorent les volants pour être partout. Ah oui, clairement, les volants. Plus volant que moi, tu meurs. Donc il nous reste 2 unités à descendre. Il nous reste ici cette unité.
Bon, par là, logiquement, c'est bon. Hop. On va se mettre en vigilance ici. Les plasmas, là, on va les décaler là. Ah, ils peuvent les atteindre. Oh, 24%, non, je vais pas le tenter. Vigilance, ça semble le plus pertinent ici. Toi, tu vas reculer derrière avec les dégâts que t'as pris. Donc, il doit nous rester encore quelques unités qui traînent. Vous, vous reculez. Alors, le techno, après, tu viens là. Toi, tu viens là. Toi, tu recules là. Et là, je suis sûr, ils vont rajouter des unités. Hein, c'est pas possible. Mais bon, globalement, on s'en est plutôt mieux tiré, on va dire. Bon, on va me dire, ouais, t'avais fait la mission la première fois, c'est pour ça, t'as eu de la chance. Mais globalement, on était mieux préparé, puis j'avais plus d'unités, donc je pense que ça a aussi fait la différence. Alors, combien vont nous en rajouter, là, les sacs? Ok, ils sont plus... 5, bon, ça va. Plus que 4, c'est bien. Ah, ça c'est chiant. Alors, il est où le frère là? Tu vas me les soigner parce que j'ai pas envie de perdre mes Hellblaster. Là, je leur ai mis l'option qui leur permet d'avoir une meilleure précision, quelle que soit leur portée, c'est plutôt pas mal. Et la feu à volonté, allez. Ah, la prochaine fois, je dirai plus rien, je crois. Allez, les gars. Trois unités, c'est bien. J'espère qu'ils sont pas là-bas, les autres malabar. Non, ils sont pas là-bas, c'est cool. Notre chef, il va reculer au centre. Sinon, hier, moment, je suis allé voir au cinéma, je suis allé voir le film Hold. Je sais pas si tu t'intéresses au cinéma ou autre. Je suis allé voir hier après-midi, c'était plutôt sympa, j'étais agréablement surpris. Dans le casting, il y avait Rufus Sewell qui avait joué dans l'un des Euros avec Antonio Banderas, c'est dans le deuxième. Il avait fait des petites séries B secondaires qui étaient assez cool. Hop. I'll keep an eye out. Alors, est-ce qu'ils vont nous en rajouter? Bien joué ici, ils sont de moins en moins nombreux. Ah, il y a des guerriers aussi. Aïe, aïe, aïe. Ouh. Alors, je sais pas si tu as des films, des plans de films qui t'intéressaient ou pas du tout. Moi, si je peux te donner un conseil, si je peux te suggérer quelques films, alors je sais pas si tu vas aller les voir. Je te conseille de voir Hold. Je l'ai trouvé franchement intéressant. Bon, Cruella, il est encore en vie, mais je sais pas pour combien de temps on est signé, combien de temps il va encore être exploité. Mais bon, c'était un bon film que j'ai recommandé.
Il me reste encore 2-3 films que je dois aller voir. J'essaie d'aller voir Benedetta, Jungle Cruise qui m'intéressait, et celui qui va sortir, qui est celui qui est sorti, mais bon, là c'est, j'hésite encore, c'est Titan. Et avec un pote samedi, je vais voir le nouveau Suicide Squad, le remake. Ah, je sais, c'est, j'allais dire le remastered, mais non, c'est pas remastered. Puis bon, moi j'avais eu des places gratuites, donc autant en profiter. Alors, admettons. Non, attends. Je sais ce que je vais faire. D'abord, je vais soigner et je vais les envoyer à l'assaut. The blood is strong. Do not falter. Et là, on va envoyer à l'assaut nos petits gars. Oh merde! Bon, tant pis. Au moins ils pourront tirer au bolter. Bon, je vais le prendre. Dommage, je me suis planté dans mes mouvements. 21%, c'est très peu. Tu peux pas les toucher. Ah oui, ils sont encore là, c'est vrai. Là, j'aurais une case de portée supplémentaire, je pourrais leur tirer dessus. Bon, je vais tenter de 51% sur les guerriers. Ouais, c'est pas mal, ils sont bien entachés, amochés comme ça. Ah, en fait, là, je suis un peu emmerdé, alors admettons. J'essaie de battre les derniers Termagants. Ok, bon, dommage, on les aura pas eu. 16%. J'ai tenté de les finir. Ah, dommage. Alors vous par contre, vous avez combien de pourcents là? Je vois pas. 35. Je prends le risque, allez. On va surcharger nos plasmas. Aucun abri de dégâts, ça c'est cool. Oh là, ils sont bien entamés, ça fait plaisir. Vous venez là. J'ai tenté un truc. C'est suicidaire, mais... Ouais, 15%. 15% pour 40, je vais prendre le 40 et je vais les charger aussi, allez. Bien joué. Le risque valait le coup là, puis bon, derrière j'ai eux. Voilà, on va se mettre ici en vigilance. Là c'est fait, là c'est bon. Ok, s'ils bougent, ils vont se prendre un déluge, ils vont rien comprendre. Franchement, dans une... là, je suis plutôt content de ma prestation. Attention ici. Non, il n'y a pas un tir qui a touché, évidemment. Merci. Pas quelqu'un qui sait se rendre utile. Bon, ça va. Bon, là, elles sont bien entamées. Oh, joli. Present. I require assistance with this array, Brother Progenax.
I take your time. How about we fine-tune those sensors without mincing your nervous system? What's left of it in that coffin, at least? I can see their network spread out before me. The weave and weft of their corruption runs deep through Baal Secundus. I trust your insights, but the words sour the victory. We will find every corruption that lurks in the shadows of your moon, Lieutenant. I can see now that our journey together is not yet finished. I am no Lieutenant, brother. That rank has not existed for 10,000 years. Lord Gilliman has revised the Codex Astartes. You will be among the first of Sanguinius' sons to bear the title anew. Artana will vox in due course the news of your promotion. Until then, I need time to catalogue these notes. Eh ben voilà, notre petit sergent devient lieutenant, c'est beau. C'est propre, c'est net et c'est sans bavure. Bon, déjà on va enregistrer. Ouais. J'ai déjà voir un petit peu notre gestion du QG, donc on a 8 points. Il va falloir réfléchir à comment on va les répartir. Sachant que maintenant on a les Dragnauts. Bon, lui je vais déjà prendre ça. Et uniquement dans la mort, ce qui a augmenté les points de vie des 20 points de vie pour Dragnauts, je trouve que c'est pas mal. Avec Amnot aussi, il faut que j'aille le voir, si j'avais complètement oublié. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? Ah, il a un bonus pour les points de vie 2, quoi, aussi, ça peut être intéressant. Mais stabilisateur plasmique, allez, je prends 3. Ah bah je les ai déjà, c'est bon. 4 points, non, ça fait trop cher, là. Et ça, c'est sûr. Il me reste encore 3 points à dépenser, je vais prendre quoi? J'ai déjà toutes les compétences au niveau 1, et là, je pourrais prendre la grenade frag. Ou la pression. Non, la grenade frag, ça va m'être utile. Ça m'avait bien aidé la première fois, même si j'avais perdu. Mais des tactiques avec des grenades, ça peut vraiment être cool, quoi. Et ils peuvent encore regagner 10 points de vie, quoi, à la fin. Waouh. Là, je pense qu'on commence à avoir des choses sérieuses, quoi. Donc là, ça fait que, logiquement, lui, il est affecté aussi. Il est impacté aussi, peut-être, pour les unités mécaniques. Alors je sais pas, on va voir comment ils ont pris en compte. Il avait 350 points de vie. Donc gestion de l'armée, est-ce que j'ai encore de la place? Ouais, j'ai encore de la place. Bah, tu sais quoi, allez, on embarque deux Dragnauts. Oh putain, 300 points de vie. Bolter loup, Bolter Storm, point furioso. Histoire de campagne, et, bon ça c'est historique. Explosion mortelle infligera 50-70 dégâts, 3 de perforation d'armes, une testue dans un rayon de une case. Ouh. Canon frag, tire 3 grenades chacune d'entre elles infligeant 15 à 20 dégâts. Bon bah on va pas se faire prier. Not even death will stop me. On va en piquer 2. J'ai 4 escouades. Et je vais piquer une nouvelle escouade d'assaut. Ils ont vraiment pas de chance. Hein. Je les perds trop facilement en fait.